Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière pro avec Kim Youn. Toujours Kim Youn, heureusement, on a pas changé de pro hein, entre temps. Dans cet épisode, nous allons faire un match à domicile contre le Gazelle et Ajaccio. Ensuite la demi-finale de Coupe de France contre Monaco. Et ensuite on fera un match à l'extérieur contre Arles Avignon et on fera un quatrième match contre 3. Non, contre le Havre, contre 3, n'importe quoi. Contre 3, contre le Havre, n'importe quoi. Bon, on joue contre qui, bordel? Contre le Havre, voilà, c'est ça. Et après, on fera plus tard un dernier épisode avec les 3 derniers matchs, ou peut-être éventuellement le 4 derniers matchs, si on devait jouer la finale de la Coupe de France. On verra ça au fil de l'épisode. Maintenant, on va se lancer dans ce premier match contre le Gazelec. Où va-t-on jouer comme ça? Ils vont-ils jouer... comme ça, parce que c'est pas gênant. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce premier match contre le Gazelec Ajaccio. Et pour ce premier match contre le Gazelec Ajaccio, ça va commencer à la 59e minute seulement avec cette occasion de Gazelec. Très très peu d'occasion en première période et au début de match. Une petite réplique de la part de notre équipe avec cette frappe qui est malheureusement trop écrasée pour inquiéter le gardien. Et finalement, la solution viendra à la 81e minute avec cet enchaînement. Et Caceres qui va marquer le but. 90e minute, donc ouverture du score de Caceres. C'est un bon petit travail collectif de tous mes coéquipiers qui ont bossé sans moi. Une petite tentative de réplique, mais c'est malheureusement hors jeu. Et le match se terminera ainsi, victoire 1-0. Eh ben dis donc, que ce fut dur. On n'a pas fait grand chose dans ce match, hein. On n'a même pas eu une seule occasion. C'est Raphaël Caceres qui a marqué le but victorieux. Ça a été dur, hein. Qu'est-ce qu'ils jouaient bien les autres. Carjar suspendu, il a pris un jaune. Alors on m'a dit que ça venait des crampons. Donc on va changer les crampons. Soit des chaussures. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre comme godasse pour changer un peu? Ouais, je sais pas trop quoi prendre comme godasse, hein, sincèrement. Je sais pas trop, on va voir. Qu'est-ce qu'on prend, je sais pas. Pourquoi pas des... J'aime bien celle-là. Est-ce qu'on a pas des nouveaux trucs, là? Non, parce que pour ça, il faut progresser. On a changé de godasse, on espère que ça changera les choses. Ah merde, on joue même pas le match contre Monaco, quoi. Putain, bande de bâtards. Match important comme ça. D'accord. Dagherbert, il marque sur penalty première minute. Oh, on est passé au tir au but. 4 tirs au but à 3, c'est ça, ouais. Aïe. Allez, on va jouer ce match contre Arles Avignon. On va jouer en blanc. Voilà. Moi je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce deuxième match contre Arles Avignon. Et pour le résumé de ce deuxième match, ça commence déjà la deuxième minute avec une première occasion
Et cette frappe qui est repoussée par le gardien. Ensuite, 9e minute de jeu. Un très très bel appel dans la profondeur. Je passe devant mes deux vis-à-vis. Et j'arrive à placer une frappe pour ouvrir le score. 10e minute de jeu, ça fait 1-0 déjà. C'est les nouveaux crampons, ça. Ça, c'est les nouveaux crampons. Le 19e but de Kim Yoon. 53e minute, une occasion pour Arlan Vignon. Qui a tardé à réagir, mais qui a réagi quand même avec ce petit cafouillage. Mais finalement, va réussir à s'en sortir. Ce gros cafouillage, même. Mais c'est pas fini, parce que sur la séquence, une très très grosse séquence là. Avec, voilà, encore une fois, un très très bon appel dans la profondeur pour la contre-attaque. La frappe, mais c'est facilement capté par le gardien. Le gardien va dégager. Ça va revenir dans les pieds socialiens. Voilà, et puis ça va re-être envoyé devant. Regardez, plein axe, le gros appel. Je me bats avec le vis-à-vis, je prends le dessus, le contrôle. La frappe enchaînée. Et l'ouverture, et le deuxième but, pardon, pas l'ouverture du sol, ça m'a déjà marqué. Le deuxième but, regardez le petit contrôle, hop, hop, hop là, voilà, impeccable. Voilà, ça fait 2-0, ça fait 2-0 et c'est le 20e but de Kim Yoon en Ligue 2. Ensuite, 77e minute, une belle petite combinaison avec les collègues pour le but de Florian Wieringer. C'est pas Florian, je crois que ça s'appelle comme ça. Gerbert qui passe à Wieringer pour cette jolie petite frappe. Voilà, une petite frappe qui vient totalement tromper le gardien, qui n'est plus sur ses appuis. La tentative de réaction de Arlan Vignon avec cette frappe, mais qui passe totalement à côté. Et ce sera tout pour ce match. Voilà, victoire 3-0 sur Arlan Vignon. Et on se retrouve après ce match, voilà, qui s'est déjà bien mieux déroulé. C'était effectivement les crampons qui gênaient notre pro. Non, je rigole. Je rigole, mais en tout cas, on a fait un très très bon match avec un beau petit doublé, une passe clé. On avait un seul hors position. Ok. On s'est battu pour gagner des ballons. On a une note de 9-7. On est l'homme du match, probablement. J'espère bien. Voilà, homme du match quand même. Avec un 9-7. Un petit doublé. Ça fait plaisir. On a remarqué nos 19 et 20e but en Ligue 2. On doit être vraisemblablement dans ses basses stats équipes, ses stats joueurs. Le meilleur buteur. Pas en coupe, on s'en contrefout de la coupe. La Ligue 2 avec 20 buts, oh putain, oui, on a une sérieuse avance. Hein. On a déposé tout le monde. On est bien parti pour finir meilleur buteur de la deuxième division. On a fait ça, sauf que voilà, bon, ouais. On n'a rien réussi. En fait. On n'a rien réussi. On n'a pas fait de passe d'ess. C'est pas facile hein, quand tu joues tout seul en attaque. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait marqué l'entraîneur critique vis-à-vis de Yoon. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu critiques? Ça va quand même. Mec, il en est à 20 buts cette saison. Tu vas pas non plus lui casser les... Hein. On joue contre Evian. La finale de la Coupe de France. Ok, d'accord. Contre Evian. Ok, pas de problème. En tout cas, c'est toi qui va. Finale de la Coupe de France contre Evian, donc. Et ensuite, on fera, du coup, un dernier match contre le Havre. On s'arrêtera là. Maintenant, du coup, on n'a pas fait celui-là, donc... Donc oui, on fera un dernier match contre le Havre. Comme ça nous fera un dernier épisode avec 3 matchs. On va jouer ce match contre Evian, tenon. Gaillard, la finale de la Coupe de France. C'est une affiche tendue. C'est une affiche tendue. J'aime bien le maillot extérieur de Devian. Je le trouve très joli. Ils vont jouer couleur domicile. Et on va y aller comme ça. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce deuxième match. Troisième match, pardon. C'est le troisième, oui. Contre Evian Thonon-Gaillard, la finale de la Coupe de France. Allez, à tout. Et pour ce match contre Evian Thonon-Gaillard, cette finale de Coupe de France, ça va commencer fort pour nous dès la première minute avec cette première occasion qui passe juste à côté du cadre. La réponse d'Evian avec cette frappe totalement what the fuck. Bon, le but est joli, faut le dire, le but est joli, mais quelle chance, ils ont bénéficié, ouais, comme on peut le voir, d'un contre ultra favorable.
Et là, la frappe est sublime, hein. Il n'y a pas d'autre mot, mais regardez un peu cette trajectoire. Les gardiens ne peuvent absolument rien faire. Voilà, ce but, il est beau, franchement, il est beau, il n'y a pas à dire, il est beau. Et ça fait 1-0 pour Evian. Et on est mené dans cette finale de Coupe de France, mais ça va pas durer longtemps. Parce que Youn et Lopi, le 1-2, la frappe et le but. Si vous non plus vous n'avez pas compris pourquoi Lopi a levé la main. Parce qu'en fait, Lopi a dévié le ballon justement de la main. Regardez, hop, hop là. Dévié de la main dans les cages. But assez chanceux quand même. Assez chanceux. Hop là, voilà, là on voit très très bien le but de la main de Lopi. Et il est content en plus. Et en plus, il est content le garçon. Il a marqué un but de la main, il est content. 33ème minute, une occasion pour Evian. La réponse sur cette frappe cadrée, mais qui sera repoussée. Le corner qui en suit. Le ballon est dégagé, je le récupère. Hop là, contrôle à moitié foireux. Et puis on part pour la course du siècle. Voilà. On arrive à prendre de vitesse toute la défense évianaise, alors que le défenseur qui est en bas, qui n'est pas venu presser pour cette frappe et ce but en contre-attaque. Sublime, 2-1. Le but de Kim Youn. Tiens, je tiens à dire d'ailleurs que sur le but de Joseph Lopi, ça m'a compté une passe décisive. Parce que j'ai tiré finalement dans sa main et sa main a marqué le but. Donc du coup, ça m'a compté une passe décisive. Donc là, c'est le but qui suit. Donc passe décisive et but pour cette finale. Pour Kim Youn. Et c'est son 8ème but en Coupe Nationale. Et c'est pas le dernier. C'est pas le dernier encore. 45ème minute. À la mi-temps, cette petite occasion, voilà, de mon collègue défenseur central. Là, regardez, le tournant du match, sûrement. Le pénalty se tacle par derrière, qui va pas du tout aider Evian. Car, carton rouge pour Jonathan Mensah. 55ème minute, donc, Evian qui va jouer à 10. Contre 11 avec cette grosse faute, hein, quand même, tacle pas derrière, il est quand même assez honteux. Et Kim Youn qui va s'élancer pour ce pénalty. Face au gardien, face à Leroy. Et c'est transformé, ça fait 3-1. Et Evian qui est mal dans cette finale. Evian qui est mal. On va voir le pénalty, parce que bon, hein. Vaut bien le revoir 2-3 fois, hein, le ralenti, pour bien comprendre comment il a tiré. 75ème minute, encore un bel appel dans la profondeur. On avance et on frappe en puissance et ça passe, 4-1. Le triplé de Kim Youn. Voilà le gardien qui ne peut rien faire face à la puissance de cette frappe. La frappe premier poteau. Ça fait 4-1. Et ça tourne à la correction pour Evian. Et encore une fois, c'est le. Du coup, c'est le 10ème but. Le 10ème but de Kim Youn en coupe. Et là, attention, la petite combinaison, 85ème minute. Kim Youn la frappe et s'est renvoyé sur Abraham. Qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets parce que le gardien est à la rue. Et ça fait 5-1. C'est la correction. La correction finale. Avec ce but qui passe entre les jambes du défenseur. Ça, c'est dans le genre pas de bol, c'est plutôt pas mal. Alors qu'il avait bien défendu en plus. Et a tiré juste là où il y avait l'espace, en fait. Et on se retrouve. Voilà, après ce match. Enfin, après ce match, c'est presque, hein, 88ème minute. Voilà, le match parfait. Le triplé pour Kim Youn. Le triplé. Et la passe décisive. La passe décisive en plus. Et on va regarder la fin du match parce que j'ai pas envie de prendre 15 buts sans le savoir. Parce qu'il reste que 2 minutes. On regarde ça ensemble. Et on va gagner, remporter cette finale de Coupe de France. Brillamment remportée. Grâce à Kim Youn. Elle a marqué 3 buts. Hein, il a subi la faute qui a donné l'expulsion. Donc on va dire que l'expulsion, ça a aidé beaucoup Evian. Il a fait la diff. Il a fait la diff, notre petit joueur. Il a fait la diff. Alors qu'il s'amuse à dribbler derrière. Alors qu'il faut qu'il marque 4 buts en très peu de temps. Et nos joueurs aussi, ils font n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde s'en fout maintenant. Pourquoi je suis sorti?
T'es obligé de me sortir là? J'aurais voulu finir moi. C'est la victoire. Victoire en Coupe Nationale. Le triplé de Yoon. Et la passe d'Es. Omnimatch. Kim Yoon, Omnimatch sans hésiter. Sans hésiter, Kim Yoon. Et moi, du coup, on me voit même pas. On me voit même pas. On voit que mes coéquipiers, quoi. C'est pour ça que j'aurais bien voulu rester sur la pelouse. Fait chier, quoi. Salaud d'entraîneur. Vous voulez pas que je soulève la coupe, ce salaud, là. Du coup, on va même pas me voir. Si, peut-être. Si, je suis là, derrière, là-bas. Ah, je suis derrière, là-bas. Je suis caché, là. Mais je voulais soulever la coupe, quoi. Je suis derrière là. Alors, on me voit là. La coupe est à nous. La coupe de France. Premier trophée au palmarès de Kim Yoon. Ça fait plaisir. Tout le monde est content. À part bien sûr Evian, forcément. Non mais on a sérieusement fait un bon match. Il est là, Kim Yoon, il est sur la droite. Homme du match, homme du match. 9-4, triplé, passe décisive. Homme du match. Fucking homme du match, voilà. Voilà le mec quoi, il a tout fait tout seul. Il a tout fait tout seul. Il a tout fait tout seul le type. Pourquoi on m'a remplacé à la fin bordel? J'accepte pas ça. Ça monsieur l'entraîneur, j'accepte pas. Victoire 5-1 donc. Sur Evian. Et voilà, la Coupe de France est remportée. Le joueur de la compétition, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Cool. C'est moi le joueur de la compétition. C'est la première fois que ça m'arrive. Je vaux 1,5 million. Moral inconnu. Sur la liste des prêts, je vais prendre ma retraite. J'en ai plein le cul. 3 buts et le ballon du match. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, 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 ouais. Le joueur de moi, c'est qui? C'est moi. Non. Pourquoi c'est pas moi? Bon, on va faire ce dernier match contre le Havre. Alors, notre moyenne de 8, ça va, t'es confiant. Deux buts, tu veux encore. Et au moins une passe décisive. Bon, on n'est pas dans les objectifs au niveau des passes décisives. Par contre, dans les buts, on a pété l'objectif. Il fallait qu'on marque 10 buts, on en est à 20. 4 passes décisives. Ouais. On est tout bon sauf en passes décisives. Bon, il nous reste maintenant à faire 4 bons derniers matchs de la saison. Et ce sera une saison quand même plutôt bonne. Hein. Donc on va faire ce 4e dernier match contre Le Havre. C'est bien ça, c'est pas 3, c'est Le Havre. Allez, mais voilà. Mais moi je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce 4e dernier match contre Le Havre. Et pour ce dernier match, on se retrouve à la 16e minute avec une première occasion, cette frappe qui passe dans le petit filet. Ça va être le match pas de bol. Le match pas de bol, 31e minute, encore une fois une belle occasion. Et c'est la frappe. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui contre. Encore une belle occasion, 36e, la frappe, et là c'est le poteau. Je vous le dis, c'est le match pas de bol. C'est le match pas de bol. Là, l'occasion, encore une fois, la frappe, et ça passe à côté. Pas en réussite, notre petit Kim Yoon. La frappe de Gerbert qui lui aussi tape la transversale cette fois-ci. Encore une nouvelle occasion, mais là c'est capté par le gardien. Enfin, c'est capté, c'est repoussé par le gardien plutôt. 88e minute, l'illumination avec cette passe et ce but. 89e minute de jeu et cette ouverture du score. Tant attendu avec cette frappe premier poteau qui vient tremper Diallo. Et ça fait 1-0 seulement à la 89e minute. Et on se retrouve, voilà, après ce match, bon, 89e, 55, on va regarder la fin du match parce que j'ai envie de me faire niquer.
Bon. Elle va être tendue. C'était dur. C'était dur. Le but à la 89e minute. Qui va peut-être sauver un tout petit peu notre match. Parce qu'on a fait un match totalement désastreux. Tout comme notre équipe. Hein. Ils n'ont pas été meilleurs que nous. Hein. Ils n'ont pas été meilleurs que nous, les Saligauds. 20 matchs joués, 21 buts. Ça va quand même. C'est pas dégueulasse. Et cette occasion et ce but. Allez. C'est la fin du match, garçon. C'est la fin du match, les enfants. Tranquille, tranquille, les gars, tranquille. Voilà. C'est la victoire. Grâce à qui? Hein? Grâce à qui? On a eu quelques occasions en première période. Vous les aurez vues sûrement, mais pas grand chose. Hein? Pas grand chose, pas grand chose. Hein? Bon, on n'est pas omni-match. Une note de 6-7, encore, on a bien sauvé notre match. Hein. On a été quand même très moyen. L'homme du match, c'est notre gardien. Pourquoi il a fait tant d'arrêts que ça? Pourquoi c'est pas Diallo? Parce que Diallo, il s'est pas pris de but, c'est ça. Il a fait 5 arrêts quand même, Diallo. Donc on est descendu un petit peu en dessous au niveau d'une note moyenne, forcément. Bon, il faut espérer faire un... Ah, on a le titre. On a le titre de Ligue 2. On a le titre de Ligue 2, donc on va faire les trois derniers matchs en roue libre, hein, finalement, parce qu'on est assez tranquille. Ouais, on a quand même pas mal de points d'avance. Et c'est suffisant, donc voilà, ben on s'arrête ici pour cet épisode, on fera le prochain épisode où on finit la saison, et on finit en même temps, la saison. Donc 21 buts en 24 matchs joués, 24 matchs joués, 31 buts et 4 passes décisives, c'est quand même pas mal, pas déconner, c'est quand même pas mal pour une saison, bordel. Pour un type qui commence, c'est pas mal. Donc voilà, on s'arrête ici pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette carrière sur FIFA 15, la carrière pro. Allez, ciao!